Un satellite ou bien, yon konre le satellite artificiel, c'est une machine yon mette en orbite autour de la Terre. Yon utilise dans plusieurs domaines différents, tant que communication, radiodiffusion, espionnage et même météorologie. Techniquement, yon définit satellite là comme n'importe quel objet yon mette en orbite autour de une planète quelconque. On s'attoure, yon konne parler de satellites naturels. Satellites naturels, yon même, c'est des corps rocheux qui en orbite naturellement autour de une planète quelconque. Tant que pour planète Terre là, nous gagnons comme satellite la Lune. Premier satellite artificiel officiel été lancé dans l'espace, c'était en 1957 par l'Union soviétique. Satellite ça lui-même était relé Sputnik 1. Satellite ça était une grosse sphère qui était faite en métal et il était gain 4 gros antennes radio là-dedans. Un mois après, on va lancer Sputnik 2 qui va gagner un chien sous lui-même qui relé Laika. Laika lui-même qui était le premier animal qui était orbité autour de la Terre. Et depuis après ça, il y a des milliers de satellites qui lancent dans l'espace. Il fait connait que il y a environ 11 500 satellites dans l'espace. Parmi eux, gain qui pour l'État et comme ça tout grand pilote qui appartenu avec des sociétés privées. Et actuellement là dans temps moderne ça que nous vivons là, satellite joue un rôle qui vraiment essentiel. Taille ou bien forme satellite là, il dépend de objectif satellite ça lui-même li gain. Puis gros satellite artificiel qui existe c'est Station Spatiale Internationale ISS, lui-même qui gagne des astronautes qui travaillent sur lui chaque jour. Satellite joue un gros rôle surtout pour révolutionner domaine science. Kounya là on de parler des satellites astronomiques, tant que télescope spatial Hubble là qui ont utilisé pour capable observer ou bien prendre des données dans l'espace. Et comme ça tout, il y a des satellites qui prennent des mesures et qui observent la Terre. Tout. Et il y a d'autres satellites qui sont vraiment essentiels pour le système de communication moderne. Tant que lorsqu'on prend un téléphone mobile, internet, etc. Comme ça tout, il y a d'autres satellites qui sont utilisés dans le système de navigation, surtout pour bateaux ensemble avec avion. Et les satellites ont vraiment un rôle qui est vraiment fondamental pour augmenter la connaissance de l'homme sur la question de compréhension planète noire ou bien système solaire noir. Pour lancer un satellite dans l'espace, ils ont utilisé ça en fusée. Et il y a des compagnies privées qui spécialisé dans le domaine ça seulement. Parmi eux, nous avons SpaceX qui est une référence qui est dirigée par Elon Musk. Actuellement, là, pour petit, il coûte environ 100 millions de dollars pour lancer un satellite dans l'espace. Et SpaceX fait un contrat avec la NASA pour lancer un satellite en 2026 pour environ 255 millions de dollars. Il y a trois pays qui battent record comme pays qui ont plus de satellites en orbite dans le monde. Ce n'est pas une surprise pour aucun monde, c'est trois plus grands pays dans le monde. C'est les États-Unis, la Chine avec la Russie. Mais les États-Unis, était un pi gros leader dans domaine ça. Et parmi d'autres sources, yo fait connait que c'est seulement 11 pays qui gen satellite en orbite dans monde là. Après ça, gen en pile l'autre organisation internationale qui gen des satellites en orbite, tant que agence spéciale européenne et ça, gen organisation des Nations Unies pour l'éducation, science et culture qui c'est UNESCO qui gen des satellites en orbite. Après cette vidéo ça, monsieur certain qu'on a là ou connaît plus ou moins de ça que nous et les satellites là. Et si toutefois t'aimer vidéo, n'a pas vite liker et si toutefois pourquoi abonner sur page ja, n'avez vite fait ça et partager vidéo ça pour plus monde capable enjoy it. Nous bon rendez-vous une autre fois pour une autre vidéo qui vraiment intéressant. Ciao ciao.